Eh bien, salut tout le monde, ici Foodie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième défi sur Borderlands 2. Donc, on va changer un petit peu de catégorie d'armes, puisque depuis le début, je vous fais que des drops de pistolets légendaires. Moi, j'ai fait aussi The Bee, le bouclier. Et là, on va passer au sniper. On va aller drop le l'invader sur Saturne. Donc, alors, pour ça, il n'y a pas besoin de faire de quête. Vu que Saturne c'est un boss de l'histoire. Donc alors, pour ceci, direction Arid Nexus. Donc on reste dans la même zone que dans The Beast, sauf qu'on change de zone de l'île. Le but, on va tomber sur le Bone War et là on va alors dans Bodland. Bodland. Donc je vais également aussi vous montrer une petite astuce pour Saturne, pour le battre sans qu'il vous touche. C'est tout con. Tout con. Donc là, on regarde si on a plein. On a le plein de munitions et on rush. Vous cassez pas le cul à tuer les mobs. Vous rushez, vous perdez moins de temps. On a une sirène en plus, on peut. Si les ennemis vous font chier, on fait pouf, hop, voilà. Donc oui, j'ai quand changé un peu le build. J'ai changé le build de ma sirène encore. J'ai perdu un peu de vita, mais comment dire? J'ai un trou là, j'ai un trou, faut qu'on m'aide! Je vais spécialiser, voilà. Dans l'élémentaire. Donc vous avez pu voir ma phase, elle fait. Attendez, on va faire un petit exemple, hein. Si on a le temps. Regardez, quand je. Ouf! Il y a du feu, de l'électricité, du slagger, il y a tout. Comme ça, ça fait bien, bien mal. Donc voilà, donc on rush, on s'en branle des robots. Et voilà, on arrive dans la zone de Saturne. Donc alors, bon, attendez, ils vont me faire chier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, les gars? Voilà, comme ça qu'on fait ici. Voilà, donc je vous conseille de passer par ce petit côté-là. Vous passez sous le beau portail magnifique. Dès que vous entendez le bruit d'Hyperion, le vieux truc là, pff, et hop là, on vient se planquer derrière. Si vous avez une sirène, vous lancez une phase, on fait vous bombarder de le tout de grenades pour détruire ces tourelles. Donc l'astuce c'est de rester derrière là et bien se cacher quand ils tirent avec ses missiles ou autre. Et vous avez plus que le dégommer ce chien. On va prendre le sniper. Il est où? Il est là. Normalement, il devrait pas vous toucher ici. Hop. Il bouge pas, je sais pas, on dirait qu'il est bugué. Bon, c'est pas grave, hein. Ça m'arrange, moi. Allez, et voilà. Ouf, j'ai même pas le temps de me toucher. Donc j'ai vu qu'il y avait du loot rose, violet plutôt, qui est tombé. Bon, on va prendre juste pour revendre. C'est toujours bon à prendre. Y a rien qui est tombé de l'autre côté. Non. Donc on monte à l'étage pour voir si on a du loot orange. Sait-on jamais. Donc pour drop le... Là, il y a des munitions si vous voulez. Pour drop l'invader, j'ai dû mettre environ... Je dis pas de conneries. Je crois que j'ai mis 30-35 essais. Joli. Donc c'est un petit peu long quand même. Bon, ben on a rien drop, il nous a rien donné, ce chacal. Bon, ben les amis, je vous mets tout de suite la petite séance drop de l'invader et on se retrouve juste après pour la présentation du sniper. Allez à toutes les amis, ciao ciao. Ah!
Eh bien, re les amis, me revoilà à Sanctuary. Comme d'habitude, on va pas changer les bonnes habitudes des défis Borderlands. Donc voici le fameux Invader. Donc alors, l'enchantement de cette arme, déjà, on vise, on tire et pom pom pom, rafale de 5 balles. Donc ça consomme pas mal sur le chargeur. Mais le rechargement est assez rapide et le chargeur en 20 balles. Donc ce qui nous fait 4 tirs, c'est suffisant. Je crois que, attendez, si on vise pas, je crois que c'est balle par balle. Ouais, voilà, c'est que quand on vise. Donc, alors. Merde. Voilà, l'Invader. Déjà, il a de la gueule. Gueule Hyperion, quoi. On reconnaît que c'est une arme Hyperion. Donc, il fait du je berbouille, non mais non. Il fait du 9714 de dommages. Bon, c'est quand même peu pour un sniper quand on regarde des autres snipers qui font du 12000, 10000 de dommages. Mais bon. Ça reste du loot légendaire à collectionner. Je suis un peu deg, j'aurais bien voulu le drop en corrosif, mais je l'ai drop en slaguère. Slaguère, élément que je n'aime pas trop. Donc ensuite, j'ai 45% de chance de slaguer les ennemis. Il a une cadence de tir de 1, bon, je n'en regarde pas trop. Tout ce qui est cadence de tir, vitesse de rechargement, je regarde pas trop. Je regarde surtout le chargeur, les dégâts et les élémentaires. Donc voilà, un petit sniper bien sympathique, en plus d'un collection. Il vaut pas le Pitchwork avec 12000 de dommages et qui fait des rafles, des vagues. Mais il me semble qu'il consomme largement plus de balles. Attendez, on va faire un test. 14 balles. Voilà, il tire 10 balles par coup. Alors que là, t'en tires 5. A voir si c'est plus économique. Je sais pas, ça reste à voir. Donc voilà, ce quatrième défi est encore une petite réussite. De toute façon, j'ai pas inventé, mais je réussis toujours mes défis. Donc le prochain défi, je pense plutôt que ça sera un Easter Egg. Donc ce qui veut dire que ça sera un petit clin d'œil à notre jeu présent dans Borderlands 2. Vous verrez ça dans... Je ne dis rien de plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais il y a quand même une arme légendaire à drop là-dessus. Que j'ai déjà et que j'essaierai de drop en live. Si je la drop pas, et ben le défi sera perdu. J'ai pas refaire une petite session de live parce que voilà, il est assez chiant à drop. Et je l'ai déjà, donc au pire si je le drop pas, je pourrais faire une présentation quand même. Eh bien les amis, je vous dis sur ce, à une prochaine vidéo Borderlands 2. Je vous dis une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis, bisous bisous.